Sur le thème de notre société, c'est la raison, les raisons actuelles de faire des paradoxes. S'il vous plaît. Voilà. Alors, ce sujet, comme on l'a dit au début de la rencontre, est un peu une synthèse des 6 colloques que nous avons tenus, 6 rencontres, débats que nous avons tenus au cours de l'année. Et qui vise à actualiser, à cibler, à renforcer aussi le discours indépendantiste. Les raisons actuelles, bon, il y a des raisons qui sont toujours là, puis il y a des raisons nouvelles, des façons de présenter l'indépendance. Alors, on peut dire qu'en 2008, malgré le pessimisme véhiculé par les médias, les facteurs objectifs favorisant la sécession du Québec, la souveraineté du Québec, l'indépendance du Québec, sont très objectivement favorables. Les coûts du fédéralisme se font de plus en plus présents. On les a peut-être pas mis assez en évidence actuellement. Les bénéfices de l'intégration au Canada évoqués par leurs partisans sont de moins en moins convaincants devant le nouveau contexte international qui favorise les associations d'États qui ont la capacité, évidemment, d'intervenir sur le plan international. Les coûts de la sécession ont de moins en moins, à mon avis, de crédibilité, alors que l'indépendance devient de plus en plus nécessaire à plusieurs titres, quand ce ne serait que pour mettre sur la tablette le dernier rapport commandé par le premier ministre du Québec et qui nous assigne de nouvelles missions, dont on va sûrement discuter avec nos panélistes, notamment, et ensuite avec vous, lorsque le panel sera terminé. Alors, le chemin qui reste à franchir est d'abord et avant tout psychologique. D'un côté, la peur de l'échec, les mythes bien entretenus, les jeux d'image dans les médias, la peur de nous affirmer collectivement, qui existe encore, et de l'autre, nos réalisations passées, nos défis collectifs à relever, l'urgence de prendre en main nos affaires, notre volonté de témoigner de nous-mêmes devant l'histoire et devant les autres nations. C'est ce mur psychologique que nous voulons abattre. Et pour ce faire, nous allons donner la parole à nos 4 panélistes en espérant que la journée fera de nous des multiplicateurs encore plus motivés, plus engagés, plus actifs. Pour lancer le débat, je vais donner la parole à nos 4 panélistes dans l'ordre de à ma gauche, à ma droite. Je ne sais pas si c'est bien orienté sur le plan politique. À tout le monde, vous n'êtes pas au centre. Pour une fois, je me retrouve au centre, ce qui convient à mon idée d'essayer de rassembler tout le monde pour travailler à des débats. Et ce ne sera pas nécessairement facile. Et donc, c'est un plaisir de présenter Mathieu Bocoté. Alors, Mathieu est diplômé en philosophie, poursuit actuellement un doctorat au département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal. Ses recherches portent principalement sur le nationalisme, le conservatisme occidental, le progressisme post-marxiste et le multiculturalisme, cocktail explosif. Il est l'auteur de La dénationalisation tranquille chez Boréal l'année dernière. Il est collaborateur régulier à l'Action nationale et est aussi l'auteur de nombreux articles dans plusieurs publications québécoises et étrangères. Alors, Mathieu, à toi la parole. Il y a quelques places ici devant. Je vois des gens qui sont debout là. Et vous avez. Donc, je remercie sincèrement les Ipso pour cette invitation. Autour d'un colloque qui cherche à faire le point d'une certaine manière, non seulement sur le logiciel intellectuel souverainiste, mais sur son efficacité. Un colloque qui cherche d'une certaine manière à voir de quelle manière les arguments souverainistes, le discours souverainiste, parvient encore à capter la conscience collective, à percer la conscience collective et à traduire le sentiment naturel de fidélité au Québec dans une adhésion à l'indépendance nationale. Cela dit, je prendrai prétexte de la question, les raisons actuelles de faire la souveraineté, pour l'inverser. Vous verrez très rapidement où est-ce que je m'en vais avec ça. C'est-à-dire, je constate que poser la question telle qu'elle, en ce moment, les raisons actuelles de faire la souveraineté
ce n'est pas nécessairement la meilleure manière de servir la cause souverainiste. Poser la question les raisons actuelles de faire la souveraineté, outre le fait que c'est une question qu'on posait probablement en 2002, en 2003, c'est une question qu'on peut poser presque à chaque année, je trouve que c'est une question qui est symptomatique un peu de l'impasse actuelle du mouvement national, du mouvement souverainiste. C'est-à-dire, ça laisse croire que le Québec est un grand colloque, divisé à part égale presque entre souverainistes et fédéralistes, et qu'il suffirait de quelques arguments supplémentaires, mieux formulés, mieux exprimés, pour être capable de rallier l'adhésion d'une majorité de Québécois au projet d'indépendance. Ça laisse croire, d'une certaine manière, que nous sommes encore, en ce moment, comme société, dans un grand débat sur la souveraineté, dans un grand débat sur la question nationale. C'est faire l'économie d'une réalité que j'explorerai avec vous, c'est-à-dire que malgré ce qu'on souhaiterait, évidemment, le Québec, en ce moment, ne débat pas de la question de la souveraineté. Le Québec n'est pas apeuré par rapport à la souveraineté. Il y est indifférent. Les Québécois ne sont pas contre la souveraineté. Ils ne grognent pas contre elle, ils baillent devant elle. Alors, je poserai une question qui me paraît beaucoup plus forte et qui permettra par ailleurs de reprendre le questionnement soulevé par les Ipsos par ailleurs. Pourquoi la souveraineté du Québec a-t-elle échoué? Pourquoi a-t-elle échoué jusqu'ici? Et j'oserais affirmer qu'il faut d'abord poser cette question pour poser évidemment la question qui suit, comment peut-elle réussir? Pourquoi la souveraineté a échoué? Ça nous amènerait à poser une question beaucoup plus subversive, si vous me permettez la formule, que les bonnes raisons de faire la souveraineté, les raisons actuelles de faire la souveraineté, c'est quelles sont les mauvaises raisons de faire la souveraineté? Quel type de raisons avons-nous mis de l'avant dans le débat public depuis quelques années qui étaient contre-productives pour le camp national, pour le mouvement national? Quel type de raisons les souverainistes en sont-ils venus à formuler qui, paradoxalement, éloignaient les Québécois de la souveraineté? Et c'est en suivant ce chemin qu'il nous sera possible, après coup, de revenir peut-être à ce que sont les raisons fondamentales de faire l'indépendance du Québec. Je ne situerai pas par ailleurs ma réflexion dans ce qu'on pourrait appeler une histoire longue du nationalisme québécois. Je ne chercherai pas à voir, par exemple, pourquoi la rupture excessive entre le nationalisme pré-1960 et post-1960 aura contribué à affaiblir le mouvement nationaliste québécois. Je ne chercherai pas à voir, d'une certaine manière, pourquoi cette espèce d'idée d'une refondation absolue du Québec à partir des années 60 nous a partiellement coupé de certaines racines vivantes alimentait l'identité nationale et qui aurait pu nous conduire à l'indépendance politique. C'est un questionnement que j'aborderai dans un prochain livre. Mais pour l'instant, je vous parlerai partiellement d'un précédent livre, La dénationalisation tranquille, non pas pour vous en faire un argument de vente, mais tout simplement pour reprendre, d'une certaine manière, une réflexion que j'ai explorée que j'aimerais pousser plus loin avec vous. Alors donc, ma réflexion portera sur ce que j'appelle la dérive du souverainisme post-référendaire. Comment les souverainistes, pour une série de raisons, en sont venus à formuler un discours qui n'avait plus rien à voir avec ce qu'on peut appeler les raisons fondamentales de faire l'indépendance du Québec. Donc, je reprends rapidement, parce que probablement on s'est tous mis d'accord là-dessus, j'imagine, dans la dernière année, sauf quelques exceptions. Le mouvement souverainiste de la décennie post-référendaire, de la culture politique post-référendaire, est marquée par une grande peur. C'est la peur de l'identitaire. C'est la peur du nationalisme. C'est cette idée, presque fantasmatique d'une certaine manière, qui va nous amener à croire qu'il serait désormais nécessaire de formuler un souverainisme qui n'aurait plus rien à voir avec le nationalisme historique du Québec francophone. C'est ce qu'on a appelé le grand débat du passage de la nation ethnique à la nation civique, alors qu'évidemment ces deux notions-là n'avaient ni sens, c'est-à-dire le Québec qui précédait historiquement n'était pas un Québec ethnique, et le Québec à venir n'était pas un Québec épuré à partir de la minceur civique. Donc le souverainisme post-référendaire va s'engager dans une grande dérive. Ce sera une dérive qui consistera à dire qu'on sera d'autant plus souverainiste de manière contemporaine qu'on ne ressemblera plus du tout à ce que voulait dire être souverainiste historiquement. C'est un souverainisme qui va être pris par la peur de paraître xénophobe, intolérant, raciste. C'est un souverainisme qui sera traversé par le politiquement correct. Le politiquement correct, qu'est-ce que c'est? Tout le monde en parle, offrons-en une définition. C'est cette manie de traduire conceptuellement
tout le besoin d'affirmation nationale dans le langage de l'intolérance. Vous dites « démocratie », on vous répond « tyrannie de la majorité ». Vous dites « majorité », on vous dit « tyrannie ». Vous dites « nationalisme », on vous dit « xénophobie ». Alors vous essayez de vous en sortir et finalement, vous êtes pris à ressembler à Trudeau à la fin. Nous avons été pris dans cette espèce de grande peur, cette espèce de souci politiquement correct, qui avait par ailleurs des racines idéologiques très réelles, ce sera l'occasion de les explorer peut-être dans un autre moment, mais un espèce de souci politiquement correct qui a fait en sorte qu'on a liquidé, pour le dire ainsi, tout l'héritage historique du nationalisme québécois. Porté par le légitime désir de l'ouverture à l'autre, nous en sommes venus à confondre l'ouverture à l'autre et le reniement de soi. Cette dérive souverainiste, de 1995 à 2007, nous sommes en train d'en sortir un peu. Cette dérive du souverainisme, évidemment, entraînait des conséquences difficiles pour notre mouvement. C'est-à-dire, s'il n'était plus possible de définir la souveraineté par ce qu'on pourrait appeler les raisons fortes, les raisons identitaires, les raisons profondes qui font en sorte qu'il y a un mouvement souverainiste au Québec et qu'il n'y en a pas au Manitoba, eh bien, dans la mesure où on n'avait plus ce qu'on pourrait appeler l'argumentaire nationaliste élémentaire pour nous, il y a toute une espèce d'autre discours qui s'est mis en place. Et plus il se déployait, plus il nous éloignait de la souveraineté. C'est ce que j'ai appelé le souverainisme qui devenait la poursuite du progressisme par d'autres moyens. Alors qu'on m'entende bien, je ne suis pas ici pour critiquer le fait qu'il y a un discours progressiste ou de gauche, appelons ça comme on veut dans notre société, c'est normal, toute société occidentale a affaire avec cette réalité. Tant mieux d'ailleurs, ça a introduit des soucis dans le débat public, dont ont bien besoin quelquefois les conservateurs lorsqu'ils ont une vision un peu trop stérile de ce qu'est la démocratie. Donc il y a des souverainistes à gauche, et je ne le conteste pas. Il y a une légitimité du progressisme, je ne le conteste pas. Mais il y avait par ailleurs un grave problème à instrumentaliser la souveraineté pour n'en faire que le moyen d'un projet de société progressiste. C'est-à-dire que la souveraineté n'avait plus aucune finalité en elle-même. La souveraineté ne voulait plus rien dire, l'identité nationale ne voulait plus rien dire. La souveraineté n'avait de sens, par exemple, que pour fonder un nouveau projet de société. On l'a entendu, ce discours-là. C'est-à-dire qu'en elle-même, l'indépendance ne vaut rien, elle ne vaut qu'à partir de finalités qui lui sont étrangères. Alors, ça va être le discours sur le projet de société. Ça va être tout le discours sur un autre monde est possible et le Québec est l'incarnation de cet autre monde. Si le Québec serait une société tout autre, si le Québec serait de gauche, le Canada serait de droite, le Québec serait le laboratoire de l'altermondialisme, le Québec serait le laboratoire de multiculturalisme original. On les connaît, ces formules-là. Alors, après 1995, il va y avoir une véritable inflation progressiste des discours souverainistes. Certaines expressions caricaturales de ça, parce qu'évidemment, ça a versé à la caricature à un certain moment donné, ça va être par exemple, rappelez-vous-en, le discours des trois mousquetaires, qui étaient trois députés du Parti québécois, qui nous disaient, de manière assez étonnante, dans un premier rapport, faire référence à la langue, à l'histoire et à la mémoire pour la souveraineté, ce n'est plus légitime. Et dans un deuxième rapport, nous disait, ce qui peut fonder la souveraineté aujourd'hui, c'est l'écologisme. Le Québec doit être le premier pays qui servira d'ambassade verte internationale dans le monde. Alors, est-ce qu'on peut annexer des arguments écologistes ou environnementalistes au discours souverainiste? Probablement selon les circonstances. Mais faire de la raison même du projet indépendantiste québécois l'écologisme, tout en nous précisant que tout ce qui avait fondé historiquement le mouvement nationaliste était devenu légitime, ça relevait de cette espèce de dérive fantasmatique qui nous aura tous aspirés. D'une certaine manière, cette espèce d'utopisme, parce que c'est comme ça qu'il faut parler, on se déréalisait, on quittait notre propre condition politique, on quittait la réalité d'un petit peuple pris dans un ensemble politique qui le marginalise dans un continent qui n'est pas le sien. Alors, un petit peu comme ça, on quittait notre propre réalité pour basculer dans ce que j'ai appelé un messianisme compensatoire. On a connu ça après les rébellions, par ailleurs. C'est-à-dire, quand le Québec perd politiquement, il ne faut pas se surprendre, quand une nation perd politiquement, quand elle échoue par deux fois sa souveraineté, il y a bien des chances qu'elle cherche à colmater, à soigner sa conscience blessée à travers une espèce de discours mystificateur. Eh bien, nous y sommes tous en train. Il y avait évidemment un grand problème dans ça, c'était que, premièrement, on s'éloignait des raisons profondes qui font en sorte qu'il y ait un mouvement nationaliste au Québec, un mouvement socialiste, je l'ai dit. Mais deuxièmement, on oubliait cette réalité
que plusieurs ont tardé à reconnaître, et que peut-être plusieurs tardent encore à reconnaître, que tous les souverainistes ne sont pas au même endroit dans l'espace politique. Tous les souverainistes ne sont pas à gauche. Appelons ça le Grand Parti du Québec d'abord. Le Grand Parti du Québec d'abord, qui est le parti qu'on doit faire basculer vers le camp de l'indépendance du Québec, le Grand Parti du Québec d'abord déborde à gauche, déborde à droite, se trouve au centre. Plus on cherchait à convaincre les Québécois que la souveraineté cherchait à réaliser certaines finalités idéologiques très précises, plus on réussissait à convaincre bien les Québécois que la souveraineté n'était pas faite pour eux. Lorsqu'on cherche à tout prix expliquer aux Québécois que la souveraineté n'a rien à voir avec leur identité nationale historique, et que par ailleurs, ce n'est que le moyen pour fonder ici un projet de société, disons, altermondialiste, version soft ou hard, eh bien, il ne faut pas se surprendre que les Québécois de la région de Québec, que les Québécois des régions, que les Québécois du 4-5-0, qui ont un rapport un peu plus prosaïque à la politique, se demandent qu'est-ce que ça veut bien dire tout ça. Donc les souverainistes, en croyant élargir leur discours pour en faire quelque chose d'inclusif pour tous, le raccordissaient à sa base la plus élémentaire. Eh bien, l'expression de toutes ces mauvaises raisons, j'entends par mauvaises raisons le fait qu'on confondait que ça pouvait être des raisons circonstancielles en les transformant en raisons fondamentales, le refus du nationalisme, le détournement idéologique politiquement correct du projet souverainiste, eh bien, ça a trouvé le moyen, il fallait s'en douter, d'éloigner les Québécois de la question nationale. Et nous y sommes aujourd'hui. Les Québécois ont un souci beaucoup moins grand aujourd'hui que pendant les 40 dernières années de la question nationale en elle-même. La question nationale ne structure plus le débat politique autant qu'elle le devrait, évidemment. Une des expressions de ça, je le dis simplement en parenthèse, c'est probablement la création du Parti indépendantiste. Le Parti indépendantiste, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que les gens pour qui la question nationale est fondamentale ne se retrouvent plus dans le jeu politique tel qu'ils se jouent au Québec, donc ils sont obligés d'aller dans les marges pour placer la question nationale au premier plan. À mon avis, c'est une impasse, j'aurai l'occasion d'y revenir. Mais par ailleurs, ce qui est certain, c'est qu'en ce moment, le Québec se déstructure par rapport à la question nationale. Ces 15 ans de dérive idéologique vont nous avoir placé dans une situation qui est la suivante. Le Québec est sorti du cycle historique qui le conduisait naturellement à sa souveraineté. J'emprunterai une formule à Jean-François Lisée qui se trouvait dans Sortie de secours, j'espère qu'on ne voudra pas d'en détourner un peu le sens. Jean-François Lisée écrivait dans Sortie de secours « La fin est proche, juste derrière nous ». Je crois qu'il y avait une justesse dans cette analyse à ce moment-là, peut-être ne l'appelle-t-il plus, à tout le moins il me semble qu'il y avait de la vérité là-dedans qui est encore actuelle, c'est-à-dire le mouvement indépendantiste tel qu'il s'est mis en place à partir des années 60 et tel qu'il héritait par ailleurs de nationalisme qu'on aurait pu faire remonter à Mercier, hein, parce que bon, aux années 20, ce mouvement souverainiste a échoué. L'indépendance du Québec telle que nous l'envisagions a échoué. Évidemment, devant cet échec, il y a un double problème. C'est que personne ne veut le reconnaître. Il y a un trou noir dans la conscience collective qui est celui de l'incapacité à reconnaître l'échec de l'indépendance. Alors d'un côté, les souverainistes ne veulent pas le reconnaître parce qu'ils sentent que ça fait pessimiste ou parce qu'ils croient encore que la souveraineté pour bientôt, pour demain ou après-demain, alors forme de jovialisme. Et de l'autre côté, les fédéralistes ne veulent pas le reconnaître parce qu'ils ne veulent certainement pas reconnaître les effets désastreux de cet échec. Parce qu'il y a des conséquences terribles au fait d'échouer son indépendance nationale. Pourtant, je dirais que malgré cet échec du cycle historique qui nous conduisait à la souveraineté, le désespoir serait insensé. Parce que, si les souverainistes cherchent à tout prix à réaliser la souveraineté qu'ils voulaient réaliser dans les années, à partir des années 60, c'est voué à l'échec, autant si les souverainistes comprennent le nouveau contexte politique qui se met en place, ils peuvent être capables de capitaliser, de canaliser un profond désir d'identité nationale, de réenracinement qui se trouve en ce moment au Québec et qui pourrait nous conduire à l'indépendance. Je le dis de manière suivante, très rapidement. Il y a au Québec, la crise des accommodements raisonnables nous l'a révélé, malgré ce qu'en pense une partie de l'intelligentsia qui n'y a vu que l'intolérance d'une majorité francophone ayant une tare congénitale sur le plan identitaire. Pour reprendre encore une fois la formule de Lisée, nous serions tous des malades imaginaires. Qui est une critique par ailleurs, je vous invite à la lire. Il y a au Québec en ce moment un profond désir de réenracinement. Il est partout présent. La controverse des accommodements raisonnables nous en a témoigné. Des débats comme ceux sur l'école, la natalité, la famille, l'immigration, le multiculturalisme, en gros,
c'est chaque fois le même débat qui est apparu ces dernières années au Québec et qui témoigne du fait qu'il y a au Québec un double sentiment de dépossession et d'une volonté de réenracinement. Une volonté de réenracinement qui peut être utilisée de mauvaise façon. C'est ce qu'on pourrait appeler la rhétorique de l'autonomie version ABQ, qui consiste à dire identité, 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 et à ne pas être capable de structurer ça dans une vision nationale. Je ne condamne pas en bloc l'ABQ, je crois qu'il y a quelquefois beaucoup de bon sens dans ce parti, mais il y a néanmoins ce que j'appelle, de manière polémique, une forme de ticounisme typiquement québécois, c'est-à-dire cette incapacité à se poser comme norme, à accepter le principe d'institution, à accepter la nécessité de la médiation nationale au-delà de la rhétorique. Donc il y a un profond désir de réenracinement au Québec en ce moment, qui correspond à la fois à la rupture peut-être trop brutale il y a quelques décennies de cela avec une partie de notre passé, mais qui correspond surtout à une critique vive de la déréalisation fantasmatique post-référendaire. Alors je crois que les souverainistes auraient tout avantage à être capables de s'enraciner eux-mêmes dans ce Québec réel qui cherche à reprendre contact avec lui-même pour être capables de porter un projet qui sera à la fois celui de la souveraineté et du redressement national. Pourquoi? Parce qu'on doit le rappeler, le souverainisme serait-il en mauvais état? Les Québécois se détourneraient-ils de la question nationale? Que notre appartenance au Canada continue à coûter cher. Je ne parle pas simplement de manière monétaire, je ne saurais pas m'exprimer là-dessus avec expertise, mais à tout le moins sur le plan politique, sur le plan démocratique. On l'a vu avec les fêtes du 400e, le gouvernement du Canada est dans une entreprise de neutralisation du Québec. Appartenir au Canada, c'est consentir chaque jour un peu plus à la neutralisation de notre existence collective. Consentir au Canada, c'est consentir à ce double mouvement de provincialisation qu'incarne l'ADQ et de déréalisation postmoderne par le haut que représentent bien les jeunes élites québécoises qui sont d'abord et avant tout citoyens du monde, avant d'être citoyens de leur pays. Des jeunes élites québécoises qui, soit dit en passant, se fait acheter à grands frais par le gouvernement fédéral, par sa fonction publique, qui détourne en ce moment, ne l'oublions pas, une bonne partie de nos élites qui pourraient et devraient servir le Québec dans sa fonction publique, dans le sens de ses institutions. Le gouvernement fédéral, en ce moment, détourne de manière très nette, de manière absolument terrifiante, une bonne partie de nos jeunes élites. Donc ça fait du Québec une espèce de société en forme de régression identitaire et institutionnelle. Donc je dirais les raisons de quitter le Canada sont toujours aussi nombreuses et elles s'additionnent. Le problème est que les souverainistes ne sont pas toujours intéressés par ces raisons-là. Je crois que si les souverainistes veulent être capables d'un jour faire renaître le désir profond d'un pays au Québec, le désir d'indépendance nationale, les souverainistes devront consentir à ce Québec réel, devront sortir de ceux qui veulent à tout prix nous intégrer dans l'aspiration fantasmatique du monde nouveau, de l'homme nouveau. Nous devrons nous réenraciner dans ce Québec réel qui veut reprendre contact avec lui-même. Et cela nous permettra ainsi d'être beaucoup plus vifs dans la critique du Canada multiculturel, dans la critique de nos propres élites qui cherchent à nous intoxiquer avec des idéologies souvent délétères, et cela nous permettra d'une certaine manière, tout simplement, modestement, de faire du Québec non pas une terre exceptionnelle à l'échelle du monde, mais simplement une nation normale parmi les nations normales qui décide simplement de s'assumer pour ce qu'elle est, sans prétention ni excès de modestie. Je vous remercie. Merci Mathieu pour cet exposé extrêmement stimulant qui lance très bien le débat. Je vais maintenant donner la parole pour 15 minutes également à Isabelle Fontaine. Isabelle est diplômée en économie politique. Elle s'implique au sein du mouvement souverainiste depuis plus de 10 ans, ayant occupé plusieurs fonctions au sein des exécutifs locaux et régionaux et nationaux également du Bloc québécois et du Parti québécois. Elle dispose d'une solide expérience politique et parlementaire acquise à titre d'assistante parlementaire à l'Assemblée nationale française et aussi à titre d'attaché politique au sein de l'équipe de Sylvain, député de Laurier-Dorion à l'Assemblée nationale du Québec. Elle est aujourd'hui conseillère en affaires publiques et en relations gouvernementales et actuellement présidente du comité des jeunes du Parti québécois. Ce n'est pas à ce titre qu'elle est ici, mais en son nom personnel. Je passe la parole. Alors, bonjour tout le monde. Je vais tenter d'être auteur de mon prédécesseur. D'entrée de jeu, je vous remercie de m'avoir invité. Je suis ici, effectivement, à titre personnel, mais pour exposer, je pense, un point de vue qui est partagé par plusieurs jeunes qui s'investissent aujourd'hui au Parti québécois.
Vous m'avez invité pour parler des raisons et des arguments qui pourraient inciter les jeunes à parler ou à adhérer au projet souverainiste. J'ai plutôt envie de parler aujourd'hui de ce qu'il faut faire, à mon sens, en 2008, pour rapprocher un peu plus les Québécois de leur liberté. Je pense que c'est la question que se posent actuellement les jeunes du Québec et une certaine part de la population. Dans le fond, j'aimerais vous inviter à changer un peu de perspective, changer un peu, comme Mathieu le disait, les façons de présenter l'indépendance, pour se sortir de la dérive que Mathieu a décrit dans son intervention. Donc, je vais aborder les raisons qui font en sorte qu'on doit faire un changement de perspective, les conséquences de ce changement sur notre action politique et les raisons pour lesquelles ce positionnement est fondamental, à mon sens, pour rejoindre les Québécois de toutes les générations, incluant la mienne. Vous êtes, je crois, des personnes qui suivez et qui souvent animez les réflexions et les débats qui agitent le mouvement souverainiste. Vous serez donc d'accord avec moi sur deux aspects. Je pense que vous serez d'accord avec moi sur le fait que la question de savoir quels arguments et quelles raisons il faut prioriser pour convaincre les Québécois de faire la souveraineté, c'est un débat qui est intarissable et sans fin dans le camp souverainiste. Vous serez d'accord aussi avec le fait que la recherche du cadre stratégique, de la date, des conditions gagnantes, c'est jamais très très loin dans nos réflexions. Donc aujourd'hui, je pense que au moment où le Parti québécois a finalement décidé de rompre avec l'obsession référendaire et avec le débat sur la date, il a bien fallu qu'on se demande, mais en fait, comment est-ce qu'on allait faire la souveraineté finalement? La réponse est venue assez naturellement. On s'est dit, on va en parler davantage, on va redire les raisons, on va faire la promotion de la souveraineté, puis on va recommencer à dire que la souveraineté, c'est bon, c'est beau, c'est bien. C'est ça qui nous dit. Je pense qu'il faut voir les choses en face. La question du statut du Québec, la question constitutionnelle, c'est un enjeu fondamental dans notre vie collective. Il n'y a probablement aucune autre question, il n'y a assurément aucun autre sujet dans l'histoire nationale récente qui a fait l'objet d'autant d'articles, de réflexions et de débats que la question nationale. Donc on pourrait probablement dire sans trop se tromper que pour la majorité des Québécois, la question nationale est comprise et est connue mieux encore que les questions économiques, que les questions de santé, de fiscalité, d'environnement ou d'éducation. Donc, j'en viens à penser que les Québécois sont probablement un peu tarés d'entendre parler de souveraineté, puis ce qu'ils s'attendent de nous, puis ce qu'ils souhaitent au fond, c'est qu'on fasse de la souveraineté. Qu'est-ce qu'ils nous disent les Québécois? Quand ils votent, quand ils participent au débat public ou au forum citoyen, ils nous disent que ce qu'ils veulent, au fond, c'est que les politiciens arrêtent de trouver des raisons pour ne pas agir et pour ne pas mettre en œuvre des politiques dont la population a besoin, puis qu'ils soutiendraient sans hésitation un parti ou des personnes qui leur donneraient l'impression qu'ils défendent leurs intérêts, qu'ils vont agir pour leur bien-être. Puis, je pense que la DQ, à un certain moment, ça a été un peu ça. Ils ont donné l'impression aux Québécois qu'ils allaient poser des gestes, qu'ils allaient concrètement agir dans leurs intérêts. Donner l'impression que c'est là-dessus. Et ça a fonctionné. Donc, face à la préoccupation exprimée des Québécois, nous, les souverainistes, on a souvent tendance à dire, vous savez, pour réaliser ce que vous voulez, il faut la souveraineté. En attendant, il n'y a rien à faire. C'était la théorie de la baguette magique, par laquelle on disait que le fait pour le Québec de devenir un pays, ça viendrait régler tous nos problèmes. Puis cette façon-là de présenter les choses a provoqué davantage de scepticisme que d'adhésion à notre option. Mais on peut comprendre nos raisons d'avoir adopté cette approche-là. Ce qu'on voulait, c'était montrer aux Québécois que la souveraineté allait changer des choses concrètes dans leur vie. Il a résulté de cette volonté-là deux courants. Le premier, c'est de démontrer la viabilité de la souveraineté du point de vue des finances publiques et du point de vue de la rentabilité pour le Québec. De la souveraineté. Le deuxième courant, il a présenté la souveraineté, Mathieu l'a dit, comme une solution à tous les problèmes qui intéressent les progressistes. La souveraineté pour l'environnement, la souveraineté pour la paix dans le monde, la souveraineté pour la diversité culturelle, la souveraineté pour la démondialisation, pour le Conseil des Nations, pour le capital. La souveraineté, ça fonctionne pour tout. Mais le problème, c'était pas vraiment notre argumentaire. Je pense que c'est plutôt notre propre conception
du projet national du Québec. Il y a beaucoup de Québécois, puis parmi eux, beaucoup de jeunes qui ont l'impression, quand ils entendent parler les porte-paroles souverainistes, que la souveraineté, ça reviendrait à prendre le pouvoir dans les mains d'un petit groupe d'hommes à Ottawa pour le concentrer dans les mains d'un autre petit groupe d'hommes à Québec. En somme, on s'est limité à leur parler simplement de la souveraineté. On s'est limité à leur parler simplement de la souveraineté de l'État du Québec. Puis c'est devenu un peu la souveraineté des politiciens de Québec. Pourtant, moi je me bats pour la souveraineté du peuple du Québec. Et là réside notre problème. Dans la Déclaration d'indépendance américaine, ils ne se gênaient pas pour affirmer que l'indépendance, ça visait à garantir le droit à la poursuite du bonheur des citoyens de l'Amérique. Le projet souverainiste québécois laisse un peu tomber ça, puis c'est devenu plus un projet technique qui cherchait à satisfaire toutes les clientèles. Puis ça fait en sorte qu'on a oublié la motivation profonde de tous les individus qui composent notre société, qui est de réaliser leurs rêves puis prendre soin des gens qui les entourent. Ça fait en sorte qu'après le 30 octobre 1995, les souverainistes se sont un peu cantonnés dans l'attente du match revanche. Fait en sorte qu'on allait tout régler. Puis, on s'est contenté de gouverner la province du Québec en attendant. Je me souviens qu'au dernier référendum, il y a beaucoup de gens qui disaient « C'est une victoire morale, on est près de 50%, la souveraineté va arriver, est imminente, elle va arriver rapidement, on va continuer le combat. » Aujourd'hui, ça fait 13 ans. Puis, l'appui à la souveraineté a entre 40, 35, 45, mais quand même, ça fait 13 ans. Donc, à moins d'un retournement de situation, il va s'être écoulé plus de temps entre le premier et le deuxième référendum qu'entre le deuxième référendum puis le suivant, même si la souveraineté était si imminente. Moi, j'en reviens à me poser la question, puis je vous la pose aussi. Si après 95, on s'était, au lieu de se demander comment on va faire pour atteindre 50% plus 1 en 96, si plutôt on s'était demandé comment on peut faire pour atteindre 65% en 2010, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Probablement qu'on n'aurait pas abandonné la question d'identité devant de soulever la controverse. Probablement qu'on n'aurait pas opté pour le laisser-faire en matière linguistique. Probablement qu'on n'aurait pas accepté la mise en place d'une réforme de l'enseignement d'histoire qui mit les moments fondateurs de notre passé. Probablement qu'on n'aurait même pas contribué à la mise en place d'une concentration de la presse aussi oppressante que celle qu'on vit actuellement. On aurait plutôt, je pense, gouverné comme des gens qui pensent que le Québec doit devenir un pays. Puis pour ce faire, on aurait nourri le sentiment qui lie les gens à la société québécoise. Puis quand on regarde ça, c'est probablement la plus grande victoire des fédéralistes, celle de nous avoir convaincus en utilisant la mauvaise conscience des souverainistes, d'abandonner les éléments mobilisateurs de notre projet, comme la langue, la culture, l'histoire et l'identité. Si on n'avait pas fait ça, si on avait entretenu le lien entre les individus et la société, on n'aurait pas laissé grandir, je pense, le cynisme qui habite les gens aujourd'hui, le sentiment que les gens ont de ne plus avoir de prise sur rien, puis plus globalement la perte de crédibilité du politique comme moyen de changer les choses et d'avoir de l'impact dans la vie des gens. Parce que pour un parti, pour un mouvement qui porte un projet aussi éminemment politique que le nôtre, le cynisme face à la politique, c'est vraiment le plus grand problème qu'on a. Donc, qu'est-ce que cette prise de conscience qu'on fait aujourd'hui, qu'on fait maintenant, doit vouloir dire pour nous comme mouvement? Pour nous comme mouvement qui souhaite que la souveraineté se réalise par la voie démocratique, donc qui souhaite l'adhésion de la majorité de l'électorat à des échéances électorales et référendaires. Ça signifie que faut poser un seul constat sur, en analysant l'historique du Parti québécois, il y a un seul constat qui s'impose dans mon sens. On a accepté de gouverner le Québec comme une province, ça nous a confinés à la médiocrité. De vouloir faire la souveraineté en refusant de gouverner la province du Québec, ça nous mène à l'échec électoral. On ne peut plus attendre le grand soir référendaire pour faire progresser le Québec. Il faut donc, dès le lendemain de la prochaine élection, gouverner comme des souverainistes.
Pour le faire, on aura la pleine légitimité dans la mesure où c'est le mandat qu'on aura sollicité des Québécois. Un gouvernement a le droit et le devoir d'appliquer le programme électoral pour lequel il a été élu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire deux choses. Deux choses que je pense qu'il faut proposer aux Québécois à la prochaine élection. Le premier, c'est qu'on va utiliser tous les leviers inutilisés qui se trouvent déjà à la disposition de l'État québécois pour le faire avancer. C'est ça, à mon sens, que l'évêque a fait en 76 par la loi 101 ou par la loi sur le financement populaire, utiliser les leviers que l'État du Québec avait pour faire avancer la société québécoise. La deuxième chose qu'il faut proposer aux Québécois, c'est qu'on va se battre pour ouvrir de nouveaux espaces de pouvoir dans la Fédération canadienne pour le Québec. Et ça, c'est le chemin le plus direct pour l'indépendance. Parce que structurellement, ce qui est, je crois, le plus responsable de la progression de la cause souverainiste, c'est beaucoup plus les gains qu'on a faits, par exemple avec l'adoption de la loi 101, que le scandale des commandites. C'est beaucoup plus des gestes porteurs, des gestes qui permettent la définition d'identité québécoise, et des victoires pour le Québec qui font avancer les choses, que les échecs et les erreurs de nos adversaires. Ainsi, je pense qu'il faut proposer des leviers inutilisés, je vous l'ai dit tout à l'heure, comme adopter la Constitution et la citoyenneté québécoise, revoir nos politiques en matière d'immigration et d'intégration, renforcer la loi 101, développer nos relations internationales, réformer nos institutions démocratiques, faire respecter nos champs de conséquences, nos champs de compétences, et recourir à la clause de notre sens sans complexe comme on y a droit. Tout ça, c'est des gestes que le gouvernement légitime des francophones d'Amérique a le droit de poser quand il a obtenu la légitimité politique par la voie des urnes. Le deuxième aspect de l'ouverture de nouveaux pouvoirs au sein du cadre fédéral, ça, c'est d'abord et avant tout un tabou dont il faudra bien se défaire à l'intérieur du mouvement souverainiste. Parce que toute volonté, on a souvent considéré que toute volonté de négocier de bonne foi avec le gouvernement fédéral, c'était une volonté de rendre le Canada plus acceptable aux yeux des Québécois. Nous, les souverainistes, on le pense ici. Mais les fédéralistes pensent le contraire. Une preuve de ça. Récemment, dans une note interne du Conseil privé fédéral au sujet du projet du Bloc d'étendre l'application de la loi 101 aux entreprises fédérales, il était écrit que la volonté du Bloc québécois d'accroître la portée de la Charte de la langue française est cohérente avec le projet souverainiste visant à mettre un terme à l'application des lois fédérales au Québec. Pas mal ça, le projet souverainiste. En tout cas, en partie. De la même façon, Trudeau, Chrétien, Dion se sont toujours refusés au moindre compromis qui pourrait établir davantage la distinction québécoise. Pourquoi? Parce que c'est les gains du Québec qui construisent le sentiment de fierté, de confiance des Québécois, puis qui les mènent à croire qu'ils ont tout ce qu'il faut pour se diriger eux-mêmes. Ainsi, même les fédéralistes reconnaissent que le fait d'obtenir des nouveaux pouvoirs, ça nourrit la volonté des Québécois de devenir souverainistes. C'est pas pour rien que les libéraux de Jean Charest, ils font rien en matière de revendications constitutionnelles, puis qu'ils restent muets. Pourquoi? Parce que ça aurait pour effet d'accroître le pouvoir du Québec, puis qu'ils savent très bien que ça, c'est la marche directe vers l'indépendance. Puis nous autres, du côté souverainiste, par pureté idéologique ou par orthodoxie historique, on a préféré pas jouer ce jeu où les fédéralistes peuvent juste en sortir de terre. Pourtant, si on adoptait cette stratégie-là, les fédéralistes seraient condamnés soit à faire gagner le Québec puis à accroître notre liberté politique, ou soit à nous refuser à dire non à nos demandes légitimes puis à payer le coût politique. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, il faut sortir de la logique perdante dans laquelle s'enfonce le Québec depuis trop longtemps. Le bilan de la stratégie référendaire, c'est le suivant. Soit on fait un référendum, on le perd, le Québec recule. Soit on ne fait pas de référendum, on reste paralysé dans notre volonté de faire progresser le Québec. Pourtant, ce qui devrait importer avant tout, c'est de faire gagner le Québec. C'est de donner des victoires à la population. C'est pour ça qu'il faut ouvrir des nouveaux fronts avec le gouvernement fédéral, notamment en matière de rapatriement des compétences et des crédits en matière d'immigration, de culture, de communication, de soutien aux travailleurs, en matière de règlement définitif du déséquilibre fiscal, puis pourquoi pas en matière de rapatriement intégral de tous les impôts et les taxes payés par les Québécois. C'est la démarche qu'un prochain gouvernement du Parti québécois peut s'engager à entreprendre
à la prochaine échéance électorale, en toute bonne foi, de façon sincère et sans présumer du résultat à l'avance. Parce que, à la limite, refuser de s'engager en tant que ces actions, de peur de nuire à l'option souverainiste, c'est presque manquer de loyauté envers le Québec et envers la population, qui, je l'ai dit tantôt, je pense, a besoin de victoire. Donc, pour arriver à ça, le Parti québécois a accès à tout un arsenal de politique. D'abord, le mandat électoral, ensuite, la construction de consensus à l'Assemblée ou dans la société civile, la possibilité de faire des référendums sectoriels, de faire des gestes de rupture, même si jamais la légitimité démocratique ou politique des Québécois est contrecarrée par l'obstination fédérale. Puis ça, dans le fond, c'est gouverner en souverainiste. Pour pouvoir arriver à gouverner en souverainiste, deux choses fondamentales à mon sens. La première, c'est qu'il faut être très clair dans nos intentions pour être compris des Québécois, puis pour que notre positionnement soit accepté par les souverainistes. Il faut être très clair qu'on ne veut pas réformer le Canada, que notre objectif, c'est de rendre chaque jour le Québec plus libre. On veut sortir le Québec du Canada ou le Canada du Québec. On veut démanteler les outils que le Canada a bâtis pour briser la volonté du peuple québécois. Puis qu'on passe, dans le fond, de l'ère du tout ou rien, l'ère du référendum, à l'ère du toujours plus. Deuxième chose qui est importante, c'est qu'il faut que le choix des gestes qu'on va proposer aux Québécois soit issu de leurs besoins, de leurs souhaits, selon la conjoncture politique réelle, plutôt que selon nos propres chimères de souverainisme. C'est en proposant des choses qui collent à la réalité des Québécois qu'on va avoir une légitimité d'agir, qu'on va avoir le soutien des Québécois dans notre démarche politique. Si on fait ces deux choses, si on gouverne selon ces deux aspects-là, il va finalement rester une troisième catégorie de gestes qui vont devenir clairs à l'esprit des Québécois. C'est sûr qu'on ne peut pas faire si on n'est pas un pays. Comme signer des conventions internationales, choisir de les respecter ou non, déclarer la guerre au conflit en paix, changer notre système politique en profondeur. Puis, ces aspects-là, ces choses qu'on ne peut pas faire si on n'est pas un pays, ils vont apparaître clairement à la population québécoise. Donc, finalement, je pense que l'argumentaire souverainiste, pour en revenir aux raisons de faire la souveraineté, il ne faut pas qu'il soit juste construit sur l'énumération des raisons qui font en sorte qu'on a encore le droit comme nation d'avoir notre État en 2008. Il faut plutôt construire nos raisons sur les choses qu'on peut faire et celles qu'on ne peut pas faire pour réaliser la volonté souveraine du peuple québécois, puis aussi à la fois sur son droit de décider pour lui-même et les raisons qui font en sorte qu'il ne peut pas le faire. Ces dernières années, on a cherché à opposer un projet souverainiste nationaliste à un projet souverainiste progressiste. Pourtant, il faut retrouver la vision, la synthèse entre ces deux visions-là. Le fait que notre projet est d'abord avant tout un projet démocratique, parce que le but, c'est de permettre à un peuple de décider par lui-même. C'est pas vraiment nouveau, puis c'était déjà le sens du combat que René Lévesque menait, et c'est encore ce sens-là qui doit nous inspirer aujourd'hui. Puis, à mon avis, à mon sens, c'est ça que représente le virage vers la gouvernance nationale proposée par Mme Marot. Parce que oui, il y a l'aspect du manifeste, qui fait partie de la démarche, mais le manifeste s'inscrit dans une démarche beaucoup plus grande, qui est traduit dans le groupe sur la souveraineté et la gouvernance nationale, puis qui est aussi traduit dans la résolution qui a été adoptée au Conseil national, qui comprenait le manifeste, mais qui comprenait aussi un grand nombre de gestes concrets de construction de l'État du Québec, allant de la Constitution à proposer des gestes de rapatriement de pays. Donc, il faut se conduire en souverainiste avant, pendant et après les élections. Et c'est important que tous les porte-paroles et les penseurs de notre mouvement comprennent que la gouvernance nationale, c'est pas quelque chose en attendant le référendum, c'est la stratégie que le Parti québécois va mettre de l'avant pour réaliser la souveraineté. D'où l'importance de se replonger au plus vite au cœur même des préoccupations du peuple québécois puis de nous en nourrir. La volonté des gens d'améliorer leurs conditions de vie, il faut qu'elle soit au centre de notre conception de la politique et de l'État. Et je pense en ce sens-là que les jeunes de ma génération, ils sont remplis de rêves, mais en même temps, ils vieillissent dans un monde qui semble s'assombrir, dans une planète toujours plus polluée, dans un monde du travail où il faut être plus productif, mais moins gourmand, dans un monde où les politiques publiques peinent à réaliser les missions
importante de l'État qui va devoir faire face à des changements encore plus importants. Puis dans une société où la consommation est un indicateur de la réussite individuelle alors que le pouvoir d'achat diminue. Puis est-ce que c'est ça que les jeunes ont vraiment envie? Je pense pas. Mais en même temps, pour les convaincre, comme pour convaincre la majorité de la population, les souverainistes qui comprennent que leur projet soit présenté comme une reprise en main de notre destin collectif, pour permettre aux Québécois de ma génération, comme ceux de tous les genres, les âges, de réaliser leurs rêves. Nos préoccupations en tant que jeunes ne sont pas si différentes de celles des générations qui nous ont précédées. Je vous le dis plutôt, c'est de s'épanouir, prendre soin de nos familles. C'est pour ça que c'est ce que les souverainistes doivent s'engager à mettre en œuvre maintenant. Un gouvernement qui va savoir allier le bien commun puis la raison d'être. Alors, merci Isabelle. Je vais maintenant donner la parole. On a pris encore un petit peu de retard, mais on va essayer de le rattraper peut-être. Alors, notre prochain panéliste, c'est Jean-François Lisée, qui a été pendant 5 ans, vous savez, conseiller des premiers ministres québécois, Jacques Parizeau et Lucien Bouchard, et un des architectes de la stratégie référendaire de 1995. Je ne sais pas si on aurait la terre Talleyrand du Parti québécois. Pendant près de 20 ans, Talleyrand a fait. Il a sauvé la France une couple de fois. Pendant près de 20 ans, il fut journaliste correspondant à Paris avant la chute pour des musées québécois français. Il a écrit plusieurs livres sur la politique québécoise, dont Le Tricheur sur Robert Bourassa et Dans l'œil de l'aigle sur la politique américaine face au mouvement indépendantiste. Sorti de secours, comme un château des Quinze Québec, qui provoquait un important débat à ce moment-là sur la situation et l'avenir politique du Québec. Il est actuellement directeur exécutif du nouveau Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal et également membre du Centre d'études sur les politiques et le développement social de Montréal. Et il concentre ses recherches sur les questions de social-démocratie et de mondialisation. Alors, Jean-François nous a préparé, je crois, une présentation qu'on va afficher maintenant et nous, on va se tasser un peu pour vous laisser voir. Ensuite, on va continuer. Ça pose pas de... Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Merci de cette présentation, Gilbert, Marie-Lise, merci de m'avoir invité. Merci à tous d'être là en ce premier samedi chaud de la saison. Je vais vous parler spécifiquement des raisons externes de faire la souveraineté. Alors, mes deux prédécesseurs ont parlé éloquemment et je suis d'accord avec l'essentiel de ce qui a été dit, surtout quand on me cite, je suis toujours d'accord. Mais donc, je me concentre sur les raisons externes et c'est un extrait. Il fonctionne pas? Alors, j'ai le meilleur technicien de Montréal, Pierre Alain, qui va cliquer pour moi. Donc, c'est une présentation que je fais. Pourquoi la souveraineté est probable? Je la fais depuis au moins, je dirais, 2002-2003. Et peu importe les éléments de la conjoncture, bon, je mets mes chiffres à jour, mais je suis content de voir qu'elle résiste au temps. Quand la souveraineté sera faite, je ne pourrai plus la faire. Bon, ça me fait plaisir d'arrêter de la faire. Alors, je dis, réaliser la souveraineté est un défi considérable. Ça, il n'y a pas de doute, c'est un défi considérable qui ne peut se faire sans deux éléments. La volonté, qui sont les variables intérieures, et donc le moteur principal est intérieur. Et là, je n'en parlerai pas. Et la marée. La marée, ce sont les conditions externes qui peuvent aider ou nuire à la réalisation de la volonté intérieure. Alors, donc là, aujourd'hui, je ne vous parle que de la marée. Voilà. Alors, la marée, qu'est-ce que c'est? Des variables hors de notre contrôle, pour l'essentiel, qui provoquent des chocs, essentiellement dans la relation Canada-Québec. Les chocs peuvent provoquer, donc, une montée du sentiment souverain. Alors, le premier, c'est le déclin démographique du Québec. Alors, voici la prévision médiane de l'Institut de la statistique du Québec. Donc, nous étions en 96 à peu près 7 300 000. Nous allons atteindre 7 800 000 en 2030 et ensuite, on sera de moins en moins nombreux en chiffres absolus. Alors, ça a un
certain nombre de conséquences dans l'organisation interne de ce qui se passe, dont je ne parlerai pas. Mais on peut dire que la seule chose positive, c'est que vers 2085, on va être 6 millions, donc on va ressortir la pub, on est 6 millions plus tard. C'est la seule économie qu'on va faire. Évidemment, ça n'a politiquement, si on est dans un ensemble plus grand qui a une courbe semblable, notre poids politique dans cet ensemble ne bouge pas. Or, ce n'est pas le cas. L'ensemble canadien dans lequel on est n'a pas la même évolution démographique que la nôtre et n'a pas la même évolution d'immigration. Alors, M. Amusé a fait le poids politique des Québécois dans leur structure politique. Alors, évidemment, avant la conquête, en 1763, nous étions 100% de notre structure politique. Ce n'était pas une démocratie, c'était un régime français. Et ensuite, après la conquête, dans l'union forcée, nous étions, et là, les Québécois, je parle de nous tous, francophones et anglophones, on était quand même majoritaires dans l'union forcée avec le Haut-Canada, 59%. Ensuite, évidemment, arrêt total de toute immigration francophone, hein, française, et ajout d'anciennes colonies anglophones, ça fait que notre poids dans l'ensemble canadien qui, lui, s'agrandit, s'amenuise, notre poids s'amenuise. Ensuite, on réussit, grâce à la revanche des berceaux, à maintenir un poids politique dans l'ensemble canadien qui est à peu près 28%. En 1996, pour la première fois, nous ne sommes plus qu'un quart de l'ensemble politique. Et là, on va regarder un peu ce qui va se passer à l'avenir, parce qu'on peut faire des projections. Maintenant, on est passé en bas de un quart du poids politique, on s'approche de 20%, et on va continuer comme ça jusqu'à la fin du siècle. Et en 2100, nous serons 11% de l'ensemble canadien. Bon, alors, de faire des projections au-delà de 50 ans, mais quand même, on voit que le déclin du poids politique québécois à l'intérieur de l'ensemble canadien, il est inscrit dans la réalité, il est incontournable, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire pour modifier ça de façon significative. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ce choc? C'est que cette marginalisation va provoquer graduellement. Ce qui est très important, c'est que le Canada va envoyer au Québec une image de plus en plus anglophone. Okay, donc, le Canada est en train de s'angliciser, c'est sûr. Et donc, dans le passé du débat politique québécois, le fait que ce que Pierre-Alain appelle les Canadiens français, donc ceux qui sont plus vieux, ont connu, sont été attirés ou retenus dans l'ensemble canadien par cette idée que le Canada est bilingue, nous envoie des signaux francophones extrêmement forts. C'est Pierre Trudeau, Jean Chrétien, Paul Martin et même Brian Mulroney, qui c'est un anglophone, c'est un Irlandais du Québec, c'était des Québécois qui dirigeaient le Canada. Le fait que les ministres importants étaient francophones, le fait que dans la fonction publique, le zénith de la présence francophone dans la fonction publique, c'était 84 sous Mulroney. Le fait qu'au tournant du siècle, la majorité des membres de la Cour suprême étaient des francophones, pas tous des Québécois, mais la majorité de francophones, envoie des signaux aux Québécois modérés, ou ceux qui sont dans le milieu du marais, que, ben écoutez, pourquoi s'en aller? On dirige ce pays. Or ça, on est passé de l'autre côté de la montagne. Et là, on est en train de descendre du côté anglophone. Et plus ça va, moins le pays canadien va envoyer des signaux que ce pays est bilingue et francophone. Déjà, maintenant, notre ministre des Finances a de la difficulté à s'exprimer en anglais. Il y a plusieurs ministres unilingues anglais. En français. Monsieur Harper fait énormément d'efforts, ce que j'appelle la bande-annonce. Il envoie constamment la bande-annonce francophone. Il commence ses points de presse en français, il va en Australie, il parle du français, etc. Mais on voit que le film ne se produit pas. Le progrès de l'anglais dans les institutions fédérales, même au grand désespoir du nouveau commissaire à la langue française. Alors, donc le Canada m'a envoyé cette image d'une présence francophone plus faible au Conseil des ministres à la Cour suprême. En ce moment, le grand débat, c'est peut-on avoir un juge de la Cour suprême qui ne comprend pas le français? Et moi, je trouve ça tout à fait normal, dans une minorité qui se minorise, où tous les grands tribuns juridiques québécois peuvent aller à la Cour suprême et parler anglais s'ils le veulent, il y a un moment où on est tellement minoritaire que la majorité ne comprend plus pourquoi elle ne peut choisir les meilleurs d'entre elles qui est anglophone, parce qu'il faut réduire le nombre le bassin d'excellence à seulement ceux qui sont bilingues, alors qu'il est très difficile maintenant de vivre au Canada, en ayant une très bonne compréhension du français,
quand on travaille fort à faire ce qu'on fait par ailleurs. Alors, donc, graduellement, cette image va se détériorer et ce n'est pas anodin. Alors, ponctuellement, là, on le voit déjà, le nombre de, de députés québécois va chuter, soit en nombre absolu ou en nombre relatif. En ce moment, la réforme à la Chambre de communes fait en sorte d'augmenter le nombre de députés du reste du Canada. Moi, encore là, ça ne me choque pas. Je veux dire, la Chambre des communes est censée représenter la démographie du pays. Donc, si on est moins nombreux, on devrait être moins nombreux. Et un jour de sénateur, c'est sûr que notre position privilégiée au Sénat canadien ne peut pas perdurer avec cette évolution démographique. Si l'Alberta frappe à la porte, et les reculs seront pénibles et visibles. À chaque fois qu'on aura ce débat, ça dira aux Québécois, vous êtes de moins en moins pesants dans l'ensemble canadien. Est-ce que c'est grave? C'est pas grave, c'est à vous de décider, mais à chaque fois, le signal va être envoyé à nos centres. Alors, le deuxième choc, c'est le choc fiscal. Alors, je suis désolé parce que le seul calcul qui existe de l'évolution comparée du Québec ou des provinces, enfin des provinces individuellement, et du Canada, c'est celui du Conference Board réalisé à la demande de la commission Séguin en 2002. Alors ça, c'est si on continue simplement à dépenser ce qu'on dépense, le Québec est censé être en déficit structurel, à perte de vue, les surplus fédéraux d'Ottawa augmentent à perte de vue. Bon, il y a deux choses qui se sont modifiées depuis. C'est qu'il y a eu des transferts fédéraux vers le Québec plus importants au moment de ces calculs, mais c'est largement compensé par l'augmentation de la richesse produite par l'Alberta et maintenant par Terre-Neuve, de la richesse pétrolière, ce qui fait que, grosso modo, en tout cas, c'est la tendance qu'on va voir. Alors donc, grande capacité de dépenser du gouvernement fédéral et toujours disette financière à Québec. Alors, qu'est-ce que ça donne, ça? Ça provoque graduellement que le pouvoir politique, on vient de le voir, est concentré à Ottawa, et le pouvoir économique est concentré à Ottawa, et ça suscite une grande constante sur la capacité du Québec à faire ses choix. Puisque l'argent est à Ottawa, il décide d'investir ici, il décide de prioriser cela. Le Québec dit, ben nous, de toute façon, on n'a pas d'argent, on est obligé de subir un certain nombre de ces décisions-là. Ponctuellement, évidemment, il va y avoir des clashs sur des projets précis. La santé en particulier, l'éducation. En ce moment, avec le gouvernement conservateur Mulroney qui croit plus à un État moins présent, c'est moins voyant. Si un retour des libéraux au pouvoir, ce qui un jour va se réaliser, ça va être beaucoup plus clair, beaucoup plus présent. Donc ça, c'est dans la tendance lourde ce qui va se produire indubitablement. La question de l'intensité, évidemment, est possible. Le troisième choc, c'est le choc juridique. La Cour suprême face à l'autonomie du Québec, depuis 25 ans, la Cour, évidemment, on lui pose la question, est-ce que la loi est constitutionnelle? Donc, on conteste une loi. Lorsqu'on conteste sans loi fédérale, dans 30%, dans 30 cas, la Cour suprême dit qu'elle est inconstitutionnelle. Lorsqu'on conteste les lois des autres provinces, c'est 42 fois sur 100 qu'elle dit. Et lorsqu'on conteste une loi québécoise, c'est 52 fois sur 100. Alors là, on est, c'est en livre 1 que fait ces plaintes. Alors, donc, ce n'est pas 52% des lois québécoises, c'est 52% des lois qui sont contestées. Bon. Alors, évidemment, on est en présence d'une grille normative externe, c'est-à-dire la Constitution du Canada, qu'on n'a pas négociée, qu'on n'a pas validée, qui est appliquée par des juges qu'on ne désigne pas, mais qui s'applique à une production originale législative, qui est la production québécoise, qui est la plus originale en Amérique du Nord, compte tenu d'un certain nombre de facteurs culturels. Donc, évidemment, une norme extérieure sur une originalité intérieure, mais ça donne ça. Alors, voyons, par exemple, des cas précis, depuis 82, de cas où la Cour suprême a étendu la capacité du gouvernement fédéral à intervenir dans des champs provinciaux. Et là, je parle sous le contrôle d'André Lajoie, qui est dans la pièce. Et dans tous ces cas-là, le Québec était soit présent, soit c'était les questions provinciales qui étaient présentes. Et dans tous les cas, la Cour suprême a dit, ben écoutez, dans les zones grises, c'est le fédéral qui a raison. Et dans certains cas, il a même dit, ben écoutez, pour savoir si le fédéral peut intervenir dans cette zone grise, la seule question, c'est de savoir si la Chambre des communes, si le Parlement canadien, désirait intervenir. Donc, le simple désir. Et selon le collègue Jacques Frémont, la série de ces décisions est une plus grande réforme constitutionnelle que toutes celles que nous avons vécues par ailleurs dans les négociations. Alors voici la liste des décisions qui sont allées dans le sens des provinces. Alors il y a des constitutionnalistes qui disent oui, mais il y a un certain nombre
Il y a un dialogue entre la Cour suprême et les législations provinciales parce que, par exemple, sur la loi 101 ou sur la loi sur le financement électoral, on a ensuite modifié la loi pour s'adapter aux décisions fédérales. Et en certains cas, c'est toujours des mauvaises idées. Mais ben, c'est un dialogue parce que c'est un dialogue forcé. Il nous dit « vous n'avez pas le droit, donc on contourne le problème ». Bon, alors ce que ça va provoquer, c'est, oui, graduellement, évidemment, une érosion de la capacité du Québec de faire des choix, et c'est intéressant parce que le gouvernement fédéral, en ce moment, n'occupe pas tout l'espace déblayé par la Cour suprême. La Cour travaille trop vite pour l'appétit du gouvernement fédéral. Bon, ponctuellement, ça, c'est la prédiction de Stéphane Dion, en 92, quand il était prof en Sciences Po à l'Université de Montréal, il a dit « un jour, une future Cour suprême pourrait décider d'invalider les clauses d'éducation de la loi 101 ». Il y a des gens qui pensent que c'est impossible parce que ces clauses-là sont protégées par un autre article de la Constitution, mais c'est intéressant que lui le pensait, une cour inférieure québécoise le pensait aussi il y a 2 ou 3 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que Dion disait, un jour, lorsque l'évolution démographique aura évolué dans le sens d'une marginalisation des Québécois, et lorsqu'on aura une nouvelle génération de juges de la Cour suprême qui n'auront pas été plongés dans la ride politique des années 70 et 80 qui les ont conduits à, oui, restreindre la loi 101, mais à lui garder quand même une zone, parce que c'était politiquement plus prudent de lui garder une zone, ça pourrait arriver. Bon, l'autre choc important, c'est le déclin du français Canada hors Québec. Ça, sur les 5 ans, c'est la proportion... Attends. C'est la proportion de Canadiens hors Québec qui peuvent soutenir une conversation assez longue sur divers sujets en français. Alors, vous voyez, de 8% à peu près 7,4%. On dit, c'est impossible, parce que pendant toutes ces années, on a enseigné le français aux anglo-canadiens. Tout à fait. C'est parce que, allons-y, la proportion de gens qui vivent hors Québec qui ont le français comme langue maternelle, elle est en réduction. Et là, on voit la courbe, elle est d'une constance absolue. Et donc, oui, les anglophones pour qui le français est une langue seconde remplacent les francophones pour qui c'est une langue maternelle. Et ensuite, depuis 70, on pose la question, ben, quelle langue parlez-vous à la maison principalement? Parce que la langue maternelle, c'est une photographie du passé, c'est la langue qu'on parlait avec sa mère, peut-être qu'on continue à la parler. Mais ça, c'est la photographie de l'avenir. Quelle langue parlez-vous au petit déjeuner avec vos enfants? Et là, on voit aussi que la courbe descend. Moi, je pense que Pierre Trudeau a beaucoup fait pour les droits des francophones en Québec. Et quand on regarde la courbe, la seule conclusion à laquelle on peut arriver, c'est que sans lui, c'est TTP. Parce qu'on voit qu'il n'a pas réussi à stabiliser la situation. Alors, l'impact que ça a sur une politique fédérale très importante dans le dialogue que les Québécois, surtout les modérés, ont avec le Canada, c'est la question des langues minoritaires. 24% des Canadiens hors Québec sont non-anglophones, y compris les francophones, non-anglophones. Où sont les francophones là-dedans? Regardez, en 2006, en Ontario, 69% avaient toutes sortes d'autres langues, 18% le chinois et 13% le français. Ça, c'est un moment historique. La moyenne canadienne est à peu près la même que ce qu'on voit en Ontario, au cœur du pays. Pour la première fois de l'histoire canadienne, il y a davantage de gens qui ont le chinois comme langue seconde que le français. Le français n'est plus la principale langue minoritaire hors Québec. C'est un énorme événement qui aura des tas de conséquences politiques à l'avenir. Alors, regardons la Corée britannique. Alors là, chinois, français, tagalog, punjabi, coréen, parsi et vietnamien. Donc, le français est là, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième langue minoritaire. La septième langue. Je dis, c'est énorme. Bon, ce n'est pas une photographie de l'avenir du Canada. La Colombie-Britannique est un particularisme. Mais quand même, on voit la difficulté politique que ça pose. Alors, donc, le déclin du français va créer un climat de rejet de la loi sur les langues officielles. Okay? Bon, pourquoi? Parce que M. Victor, Saskatchewan, en Ontario, qui parle très bien l'anglais, comme 96% des franco-canadiens en Québec, lui a droit d'envoyer ses enfants à l'école française payée par la province. Mais M. O, qui parle mal l'anglais, ne peut pas envoyer ses enfants à l'école chinoise. Non. Et M. Victor peut avoir un procès criminel en français, et le procureur va parler français, alors que l'oncle O, qui lui parle mal l'anglais,
ne peut pas avoir, il peut avoir un traducteur, mais il ne peut pas avoir son procès en chinois. Il y a un problème d'équité entre les minorités qui se pose de façon très aiguë et qui va faire sauter la loi des langues officielles. Alors, ça peut se faire de toutes sortes de façons. Et ce qui est intéressant, c'est que les communautés non francophones sont très fortes dans les partis politiques canadiens et plus au Parti libéral du Canada qu'au Parti conservateur. Et je pense que la grogne, elle va finir par éclater là d'abord, ce qui va être très très difficile pour le Parti libéral du Canada. Alors, ça peut se faire de toutes sortes de façons. On va dire, on ne dira pas que le chinois est la troisième langue officielle du Canada. On va dire non. La langue commune, c'est l'anglais. Alors, tout le monde pourra avoir des traducteurs. Le fédéral va avoir un programme plus restreint pour aider les francophones et d'autres. Ils vont reconfigurer. Okay? Il va avoir une reconfiguration. Mais c'est sûr, oui, mais c'est sûr qu'une révision à la baisse de la loi des langues officielles peut provoquer une crise majeure. Qui suis-je pour le dire? Nos amis du Conseil pour l'unité canadienne, dont nous avons du trépas, faisaient des sondages intéressants et à l'automne 2005, ils ont posé la question: est-ce que l'abandon de la loi sur les langues officielles serait un changement majeur dans la nature du Canada? Alors, 81% des Québécois disaient oui, 71% des autres. Bon, un changement majeur, oui, mais peut-être que c'était un bon ou un mauvais changement, donc ils n'ont pas pris de chance, ils ont posé d'autres questions. Est-ce que ce serait très négatif, assez positif ou très positif? Alors, au Québec, 64% ont dit que c'était très négatif, 22% assez négatif. Puis moi, je pense que dans les 7% qui ont trouvé ça très positif, il y a du monde qui sont dans la salle ici. Parce que dans ces sondages-là, il y a toujours une pollution des séparatistes qui espèrent que les affaires canadiennes ne marcheront pas. Alors, même de dire que 86% des Québécois qui pensent que ce serait très ou assez négatif, c'est sous-estimer la réaction des Québécois. Alors, tu as beaucoup de décentristes, là, ils sont là dans 64%, OK? Les gens qui pensent que le Canada est réformable, parce qu'il est francophone, etc., le jour où on va dire la loi des langues officielles est réformée à la baisse, elle va rester, elle est réformée à la baisse, ça va être un énorme signal de l'échec de l'expérience bilingue du Canada. Et j'ai presque fini. Alors, la crise est inévitable. Le déclin de la force du Québec au sein du Canada va nécessairement provoquer un rééquilibre politique, fiscal, juridique et linguistique. Il est probable que ces changements s'effectuent de façon à susciter un fort mécontentement chez les Québécois et provoquer l'éruption d'une marée soudanaise scandaleuse. Ouais. Évidemment, si les Soudanais sont au pouvoir, ce serait mieux. Là, je m'arrête là. Merci de cette note d'espoir. Partageons tous. Et je vais maintenant passer la parole à Dominique qui patiemment espérait que nos autres panélistes se disciplinent, ce qui a été pas mal de cas, mais on a un peu de retard encore. Alors, Dominique est diplômée en administration publique et a œuvré de 1995 à 2006 à titre d'attaché de presse et de conseillère politique au sein des cabinets de divers ministres du gouvernement du Québec et du chef du Bloc québécois à Ottawa. Elle a aussi occupé de 1998 à 2000 la fonction de présidente de la Commission de la citoyenneté du Bloc québécois et de 2005 à 2006 la fonction de vice-présidente de la formation du Parti québécois. Elle est spécialiste des communications interculturelles, elle a participé à des groupes et des chantiers de réflexion, publié plusieurs textes sur l'éducation interculturelle, l'expression des cultures minoritaires dans l'espace public, le pluralisme et la participation civique. Dominique occupe présentement la fonction de directrice générale de l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes, lycée et A. Et ça me fait plaisir de lui donner la parole. 15 minutes. Merci beaucoup. Je vais peut-être arriver à contribuer à rattraper un peu du temps perdu. Écoutez, je veux vous remercier de m'avoir invité ici ce matin, même si je ne vous cacherai pas mon premier réflexe lorsque j'ai reçu l'appel. Et qu'on m'a dit, est-ce que tu peux nous parler des raisons actuelles qui convaincraient des personnes issues de l'immigration de faire la souveraineté? Mon premier réflexe a été de répondre non, je ne peux pas vous en parler. Et à ce moment-là, j'ai été interpellée par Marie-Lise qui m'a dit, mais est-ce que toi, tu y crois encore? Je lui ai dit, mais c'est évident que moi, j'y crois encore, je n'ai pas changé d'idée. Alors, je me suis dit, tiens, si je n'ai pas changé d'idée, peut-être qu'en réfléchissant, je peux comprendre quelles seraient les raisons que je pourrais donner à des personnes de venir, d'être des personnes issues de l'immigration, donc de partager mon point de vue sur la souveraineté du Québec.
Ceci dit, donc j'ai accepté. Et pour la première fois, je vous dirais, en 15 ans, je me suis retrouvée devant le syndrome de la page blanche. Qu'est-ce que j'allais dire aux gens? Et c'est assez, et je vous avoue, quand on a passé 10 ans à réfléchir dans sa vie à comment on peut convaincre les gens d'adhérer au mouvement souverainiste, de se dire, je vais parler aux colloques, les IPSO, les intellectuels pour la souveraineté, qui sont, mon père disait toujours, les intellectuels sont les garde-fous de la démocratie, donc ils sont un groupe que je restais, à qui je devrais pouvoir faire une contribution positive. Je me suis dit, comment se fait-il que je suis devant le syndrome de la page blanche? Ben, je vais vous dire, je pense que ça vient beaucoup du débat que j'ai entendu dans la dernière année, depuis que j'ai quitté la politique active et militante, autour, est-ce qu'il faut un nationalisme ethnique ou un nationalisme civique? Ça m'a ramené il y a 10 ans. En 95, quand j'ai décidé de m'impliquer activement, j'avais toujours eu des tendances, des sympathies souverainistes. Hein? Je trouvais que oui, et tout était possible, c'était tellement un beau slogan et ça ouvrait tellement l'avenir. Elle avait l'air tellement rose que c'est sûr que je ne pouvais pas répondre négativement à une telle invitation. Pourquoi au lendemain du référendum de 95, j'ai répondu à un appel pour m'impliquer dans les cabinets politiques et essayer de travailler sur faire avancer les choses? Je dirais qu'en 95, j'ai pris conscience d'une chose, c'est que le mouvement souverainiste était une grande coalition avec des gens qui avaient des projets de droite et des projets de gauche, comme tu nous l'as dit. Et j'ai réalisé que si je n'arrivais pas à spontanément dire, moi comme Québécois, voilà le type de projet que je veux pour mon pays, pour ma société, je ne serais pas capable d'avoir une vie qui me contenterait au Québec. Ça m'interpellait donc comme citoyenne de me dire, qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte que la société dans laquelle je vis ressemble à la société dans laquelle j'ai envie de vivre. J'ai également compris ce jour-là que si on ne réglait pas la question de l'identité et de l'affirmation de l'identité québécoise, on ne serait jamais capable de se répartir autour d'un échiquier politique sur des questions progressistes, conservateurs, libéraux, néolibéraux et ainsi de suite. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé, moi, de venir. On se retrouvait dans une situation, Mathieu l'a bien évoqué, assez intéressante, où on avait perdu un référendum. Dans l'analyse des souverainistes, on l'avait perdu pour une question de nombre. Hein, on l'avait perdu. Je pense que j'avais entendu M. Parizeau à un moment donné nous dire si on avait eu 5 votes de plus dans chaque boîte de vote, on l'aurait gagné. Après ça, on a appris qu'on nous l'avait volé, et ainsi de suite. Mais on ne rentrera pas dans ces débats-là. Et je me suis dit, quelle peut être ma contribution? Ben, ma contribution peut peut-être être de faire en sorte que, au milieu de toute la constellation que nous a décrit M. Côte-Noir tout à l'heure, on puisse donner des raisons aux gens d'avoir ces 5 votes de plus dans la boîte. Et là, quand je me suis assise à contempler comment on pouvait faire une chose comme ça, j'ai regardé les raisons du nationalisme dit ethnique, hein, donc la langue, la culture, l'histoire et l'identité. Et comprenez-moi bien, je suis loin d'être contre un nationalisme ethnique, mais je me suis dit, si je viens d'un pays qui n'est pas francophone, est-ce que je peux venir et dire, je m'associe à une société parce qu'elle veut défendre sa langue? Si je viens d'arriver, ou si je suis arrivée il y a 15 ans, il y a 20 ans, est-ce que j'ai toute la compréhension de la culture qui est là? Est-ce que même en comprenant la culture, est-ce que je peux y adhérer? Est-ce que je peux avoir l'impression que j'en fais partie? L'histoire. L'histoire, malheureusement, commence souvent avec les gens tels qu'ils sont là au moment où ils arrivent. On peut comprendre l'histoire. Passé. Mais est-ce que ça peut être une raison d'y adhérer si on n'a pas l'impression qu'on va en écrire le futur, que les pages qui restent à écrire, on doit y être? La question identitaire. L'identité, c'est malheureusement pas une chemise prête à porter. Alors, si je viens d'ailleurs, je ne vais pas abandonner celle que j'avais hier pour mettre celle que vous allez me proposer aujourd'hui. Et ceci, peut-être que ça a fait partie des réflexions qui m'ont amené à me dire, ben, pourquoi j'adhérerais au mouvement souverainiste? Ben, j'adhère au mouvement souverainiste parce que je crois qu'il n'est pas possible de réformer le fédéralisme. Pourquoi j'adhère au mouvement souverainiste? C'est parce que quelque part, j'ai ancré très profondément en moi cette notion que oui, je fais partie du peuple du Québec. Pourquoi est-ce que j'adhérerais au mouvement souverainiste? Ben, parce que je crois que, comme peuple en Amérique, les Québécois, dans toute leur diversité, ont tout ce qu'il faut
pour pouvoir maîtriser tous les leviers de leur destin. Pourquoi j'adhérerais au mouvement souverainiste? C'est parce que je ne crois pas à toutes les campagnes de peur que les gens ont fait et nous ont fait, et nous ont fait à croire sur la question de le Canada va se fâcher contre nous, ils vont nous enlever des pensions, ils vont nous enlever des ci, ils vont nous enlever des ça. De toute façon, s'ils veulent nous les enlever, ils vont nous les enlever. Et j'ai aucun attachement particulier pour Rocheuse canadienne ou à Vancouver, comme on peut le voir, qui se développe dans leur propre logique. Donc, quatre oui, hein, Pierre-Alain, moi je dirais quatre oui. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? Je crois profondément que le Québec de René Lévesque, avait des gestes fondateurs importants. Mais pourquoi il faut allier le nationalisme historique à toutes les autres raisons qu'on peut avoir de faire la souveraineté? C'est d'abord parce que si on choisit de vivre au Québec, on choisit de vivre en français. Et en ce sens-là, choisir de vivre en français, ce n'est pas le groupe immigrant qui est le problème par rapport à vivre en français. Le problème, c'est les lois incohérentes que nous avons au Québec par rapport à la langue. Si on avait dans le futur, moi je vous dirais là-dessus, je suis peut-être même plus nationaliste que certains nationalistes, depuis 1980, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on a deux commissions scolaires, deux séries de commissions scolaires et deux séries d'écoles. Si l'école est le vecteur d'intégration, comment se fait-il qu'on peut avoir deux idéologies enseignées dans les écoles? Cela me dépasse. Question de culture. Absolument, j'y adhère. C'est très vrai, c'est une culture francophone. Mais c'est une culture francophone, comme on peut le voir. Enfin, la culture, c'est plus que ça, c'est aussi la langue, c'est aussi l'histoire, c'est aussi tout le reste. Mais la culture dans laquelle on est, au point de départ au Québec, est une culture originale. Hein? On a un droit civil qui s'inspire du Code Napoléon, un droit criminel qui tient compte de l'accord des institutions britanniques. On a un régime parlementaire qui assume, même si on essaye de le changer, mais qui assume quand même jusqu'à présent son organisation et son influence britannique, et ainsi de suite. Donc, notre culture, pour moi, était un creuset, et l'important, c'était pas tant de se dire d'où on venait, mais comment est-ce qu'on va faire en sorte que cette culture continue à représenter l'ensemble de ce qu'on est. On parle des questions d'histoire. Moi, je m'excuse, mais quand, et on l'a vu l'autre jour dans des choses comme ce qu'a fait la communauté haïtienne, par exemple, quand il a financé son livre « Ces Québécois venus d'Haïti », où ils se réclament aussi des changements de la Révolution tranquille, où ils disent « on a apporté une expertise, on est venu faire des choses ». Et si on regarde toute l'histoire en général qu'on a eue, toute l'histoire du Québec se construit génération après génération des apports des gens. Le problème qu'on a au niveau identitaire, c'est qu'on n'a pas réussi à créer une affirmation qui fait en sorte, un nationalisme d'affirmation, qui fait en sorte que peu importe si nos passés sont différents, on croit fondamentalement que notre avenir est commun. Et en croyant fondamentalement que notre avenir est commun, on va s'inscrire dans le même processus identitaire. Moi, je vous dirais, j'ai vécu cette dernière année où j'étais à l'extérieur beaucoup du mouvement souverainiste dans ma vie militante de tous les jours. Je pense pas qu'il faut sous-estimer ce qui s'est passé avec Taylor Mouchard. Et je vous le dis sincèrement, je me suis levée un matin dans mon lit, je regardais la façon dont on rapportait les différents propos, et je me suis levée ce matin-là et j'ai dit, mais putain, qu'est-ce que je fiche au Québec? Voilà un pays qui se construit à l'extérieur de moi. Il se construit à l'extérieur de moi, on donne à un Canadien français et un Canadien anglais, défenseur du multiculturalisme, la responsabilité de me dire qu'est-ce qui est un accommodement raisonnable ou qui ne l'est pas. On construit des institutions où tous les jours, dans nos partis, on considère ça comme des victoires quand on arrive à faire élire des candidats qui sont issus de l'immigration, qu'on arrive à les nommer dans des postes. Ce n'est pas possible. J'ai entendu Mathieu Bock-Côté dans une entrevue citer Martin Luther King, où tu disais « Je rêve à ce jour, tu citais le jour où il disait « Je rêve à ce jour, mes enfants seront considérés non pas pour la couleur de leur peau, mais pour leur apport. » Mais c'est très drôle. Les gens qui ont une couleur de peau différente continuent à être interpellés comme la voix des minorités. Le Québec, de la façon dont il se construit maintenant, hein, quand on a ramené le ministère de l'Immigration et des communautés culturelles et que personne n'a protesté, on construit un Québec où on dit à une part grandissante de la population, parce que, excusez-moi, depuis 1980, il y a 1 million de personnes qui sont issues d'immigration qui sont arrivées en terre québécoise.
quand on construit ce pays-là en disant à une partie de la population de 12%, de 13%, vous allez construire votre identité comme on va vous le permettre, et à l'extérieur de l'identité québécoise, ben moi je pense qu'on fait fausse route. Chaque fois qu'on arrive à faire élire quelqu'un, dans un conflit ethnique ou non ethnique, hein, et j'ai beaucoup travaillé là-dessus au Bloc, et qu'on arrive à dire « oui, cette personne-là peut me représenter parce qu'elle amène mes idées, elle amène mes idées de l'avant. » Chaque fois qu'on arrive à amener le pluralisme de l'espace et de dire aux gens « reconnaissons-nous, non pas parce qu'il est différent, mais parce qu'il est pareil. » Quand on arrive à dire « je vais créer des lois qui vont faire en sorte que quand on lutte au chômage, on s'intéresse aussi à la question du chômage des jeunes noirs ou à l'islamophobie montante, etc., etc. » À ce moment-là, on pose des gestes qui sont forts au niveau identitaire et qui nous permettent de plus en plus d'aller de l'avant vers une identité forte. Donc moi, je dirais le problème qu'on a, deux problèmes. Société civile qui a démissionné, hein, ou beaucoup les groupes ethniques. Quand on n'a pas le courage de dire, je vais revenir là-dessus, quand on n'a pas le courage de définir où est la place du religieux dans notre espace public, on crée des attentes, tout le monde est pareil, et ensuite les gens viennent et posent des questions au niveau de l'équité. Moi je dis, si on avait dit au moins l'espace de l'école et les espaces de pouvoir sont des espaces laïques, si on avait le courage de faire ça, moi je pense qu'on construisait des identités plus fortes. Donc je pense qu'à ce niveau-là, la société civile a un peu démissionné, hein, et retourne vers des replis qui sont très 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 sectaires. Deuxièmement, je pense qu'on a un leadership politique qui est déficient. À l'heure actuelle, nos politiciens, et ça, toutes tendances confondues, à mon avis, sont dans la business de se faire rêver. Alors, on dit, on prend des sondages et on dit quel est le discours qui va nous permettre de nous faire rêver. Et ça donne un peu ce que ça nous donne à l'heure actuelle. Hein, tu as parlé tantôt des mousquetaires. Moi, pour moi, c'était l'exemple parfait de ce qu'on montre là. C'est des gens qui se sont levés et regardés. On dit les gens sont intéressés par l'environnement. C'est sûr que l'environnement ne sera jamais une raison de faire la souveraineté du Québec. On peut vouloir un Québec vert, mais ça n'a rien à voir avec l'environnement. On peut être fédéraliste et vouloir un Québec vert quand même. C'est très clair que on peut avoir des raisons dites civiques, mais ils ne croyaient pas eux-mêmes au projet civique. C'était le nationalisme civique, oui, mais pas dans ma cour. Le nationalisme civique, dans sa description, tout le monde est pareil. Non, je m'excuse, tout le monde n'est pas pareil. Et si on n'a pas le pouvoir et le courage comme société de dire on va donner aux gens les moyens d'exercer, d'avoir accès au même lieu de pouvoir, d'avoir accès au même mécanisme de délibération publique, eh bien non, je m'excuse, ça va continuer à être dans les mains d'une petite élite. Alors pour moi, ce qu'il nous faut, c'est créer des conditions de participation. Conditions de participation, ça s'appelle éducation à la citoyenneté, ça s'appelle s'assurer de la compétence politique de ses citoyens, ça s'appelle affirmation de l'égalité, non pas de droit, mais de fait, donc mise en place de mesures qui font en sorte que tout le monde puisse, au même titre, intervenir dans l'espace public, avoir accès aux moyens de production, avoir accès à un emploi, etc., etc., mais surtout, amener la capacité pour tout le monde de délibérer. Et pour moi, c'est ça. Et c'est ce que représentait pour moi le mouvement souverainiste, comme j'y étais très impliquée. Et c'est ce que j'aimerais voir revenir. Je pense qu'on n'a pas à poser le nationalisme civique à un nationalisme politique. Les nationalistes pensent ce que les gens en font. Ils font ce que les gens en font. Et en ce sens-là, on peut avoir chacun des raisons différentes d'adhérer au projet souverainiste. Mais il ne faut pas qu'on se dise que les unes doivent avoir préséance sur les autres. Voilà. Merci. Merci Dominique, merci à tous nos panélistes. Alors le moment est venu de débattre entre nous.